Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de L'œil dans le rétro, épisode 2. Et ouais, déjà épisode 2 de L'œil dans le rétro, émission ça va audio. Vite le temps, hein. je pensais que c'était hier. On les enchaîne. C'est déjà le bordel, puisque là, cette fois-ci, nous sommes trois, donc oui, bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes trois pour vous parler de Michael Cimino et donc de sa sortie Blu-ray chez Carlotta de L'année du dragon. Un des grands films de Michael Cimino avec Voyage au bout de l'enfer, avec évidemment La Porte du Paradis, qui était déjà sorti, La Porte du Paradis, chez Carlotta dans un nouveau master. Donc ils continuent et c'est un petit peu leur nouvelle collection de Ultra collector de Blu-ray amélioré, avec un livre collector en plus du Blu-ray et des bonus spécialement faits pour l'édition. En gros, ce qu'on faisait à l'époque pour les DVD. Ouais, c'est ça, mais ils développent avec l'idée d'un bouquin en plus, donc c'est ce qu'ils avaient fait. Il y a une valeur ajoutée. Disons qu'ils rendent le Blu-ray maintenant collector, parce que le format Blu-ray est quand même un format quand même pourri. Quoi, mais bon, le coffret de Body Double était déjà assez fantastique. Exactement, donc c'est le deuxième de cette collection après le Body Double de De Palma. Donc pour l'instant, ils se spécialisent un peu dans les films de genre de grands réalisateurs, un tout petit peu décalés, qui n'ont pas été adorés à l'époque, parce que Body Double et L'année du dragon ont un petit peu eu la même destinée au niveau de leur carrière, c'est-à-dire des films totalement très très critiqués et qui ont été des échecs monumentaux à la fin de à leur sortie à l'époque. Pourtant parfaitement maîtrisés, surtout aux États-Unis, et en fait qui ont été redécouverts au fur et à mesure après, très très rapidement, que ce soit Body Double ou L'année du dragon, comme étant des très grands films de leurs auteurs, plus même L'année du dragon par rapport à Body Double. Est-ce que on va peut-être pas parler du film de Cimino, revenir un peu sur le master. Bon, il y a déjà pas mal d'émissions qui sont sorties qui ont parlé de la sortie DVD du film. Mais nous, on va un petit peu donner nos sensations sur ce film et quelle est la valeur ajoutée, puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de Cimino encore dans nos émissions. Et puis, à savoir qu'il y a un autre film qui est sorti que Carlotta a sorti en édition simple, qui s'appelle Desperate Hours, qui est un film encore avec Mickey Rourke de Michael Cimino, mais qui a été fait bien plus tard et qui lui ne vaut pas on va dire un podcast entier, parce que c'est un film assez raté qui a été remonté par les studios, qui est un film qui vaut le coup d'œil si vous êtes un fan de Cimino, mais qui reste en plus, ils évoquent aussi la guerre du Vietnam, etc. Mais c'est plus sa valeur de collection, beaucoup plus pour les fans, on va dire. Donc revenons sur L'année du dragon et vas-y Philippe, est-ce que tu peux présenter un tout petit peu le film, l'histoire? On va y aller comme ça. Donc Mickey Rourke, alors déjà d'une, il y a eu un parrain de la mafia de Chinatown, triade. Oui, mais au début il explique que c'est d'abord des mafias, tu vois. Oui, les triades sont encore un peu légendaires, hein, ouais, le concept de triade n'est pas encore tout à fait bien, mais surtout dans les années 80 où ça reste à la mode, tout ce qui est asiatique comme ça, mafia, yakuza, t'avais Punisher juste après, t'avais Black Rain, tu sais, ouais, c'était vraiment dans le délire, tout ce qui est japonais, pas ce qui est chinois. Chinois, ouais, dans les années 70 il y avait Chinatown aussi, ouais, bon, c'était bon. Ouais, mais il y avait aussi peut-être aussi, c'est quand même exotique. Il y avait la menace rouge qui était encore assez présente à l'époque. Pleine guerre froide. Ouais. Alors que les Japonais étaient déjà... c'était des collègues, quoi. Donc un par un meurt, et du coup, il y a un flic lui aussi un peu légendaire, extrêmement décoré, qui avait fait la guerre du Vietnam, donc qui est Mickey Rourke. Et le White dans le film. Yes. Stanley White, ce qui est quand même important, parce qu'il a les cheveux blancs, il a changé. Et en fait, Mickey Rourke joue quand même un personnage de 20 ans plus vieux que lui dans l'histoire, quoi, ce qui est rare. Et c'était pas genre son premier rôle d'ailleurs important. Non, c'était pas. Il avait déjà fait les films à Coppola avant, il avait déjà fait L'Aube Rouge. Il avait aussi trouvé dans La Porte du Paradis, mais pas en rôle principal. Mais non, mais c'était son premier rôle principal là, je crois. Peut-être. Bon. Non, il a fait quelques-uns, mais effectivement, c'est quand même un rôle qui le grime directement. Mmh. Donc c'est pas la figure de 9 semaines et demie ou d'Angel Hart, du beau gosse. Voilà. Et donc il arrive et il s'avère que ce mec-là, il est
très tiraillé déjà par son trauma de la guerre du Vietnam et le fait qu'il soit blanc, quoi. C'est-à-dire qu'il a une notion de la justice assez pure, malgré que ce soit un personnage ultra violent et tout. Enfin, c'est super intéressant. Et du coup, on lui dit, voilà, il y a un peu trop de gangs dans Chinatown, il faut que tu épures ça. Sauf que lui, il va pas s'attaquer aux gangs, il va carrément s'attaquer aux grosses pontes des triades. Mmh. Et du coup, on va le faire chier, que ce soit au niveau des triades ou au niveau de ses supérieurs. Il va être au milieu de tout ça. Et on va dire que Chimino vous propose de suivre ce mec-là dans un Chinatown foisonnant qui vous transmet, on va dire, toute l'euphorie en fait de la rue, mais aussi cette peur qu'ont les triades et les services de police que ça explose. Donc c'est pour ça qu'il va être au milieu de plein de... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, généralement, les flics se complaisent plutôt à travailler avec les triades, et lui, il va vouloir tout remettre à zéro et empêcher la corruption, et il veut même pas laisser les triades travailler. Il se rend compte que sans corruption, ça peut pas tenir comme ça. Il faut forcément lancer une guerre pour tout remettre à plat. Et c'est là que tu dis, il est tout seul à penser ça. Comment il va réussir? Il est tout seul à penser ça parce que c'est en fait le seul, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans beaucoup de scènes très un peu à la Sidney Lumet, quoi, des scènes dans le commissariat de police avec les mecs de la mairie, son supérieur, etc., qui sont aussi des anciens du Vietnam et qui lui disent tous, en fait, mec, t'es en train d'essayer de refaire une guerre en plein New York parce que t'es obsédé par la guerre du Vietnam et t'es persuadé qu'il faut continuer à faire la guerre, quoi. Et c'est ce qui t'explique dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, il pense qu'il est encore en guerre. Et il y a des moments dans le film où il parle clairement en disant ça continue ici. Ça continue. Et effectivement, Chimino présentait le film comme étant un peu le troisième film, en tout cas un film qui faisait directement un lien, en tout cas avec le Voyage au bout de l'enfer qu'il avait fait. Ça peut même limite être la suite. Oui, alors c'est exactement, ça pourrait limite être la suite. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est drôle où il s'engueule avec tous ses amis de la police, ses supérieurs et tout. Et il y a un mec qui lui dit, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous entretuer à la roulette russe ou un truc comme ça. Avec Et donc tu vois tout de suite la référence et le lien qui est fait. Et ça, c'est un truc qui a été assumé, sachant qu'en plus, donc, le film est co-scénarisé par Oliver Stone, donc qui n'est pas encore réalisateur, je crois, à l'époque. Mais qui est un très très grand scénariste déjà, qui fait Conan, etc. Et qui est très connu puisqu'il a fait, lui, la guerre du Vietnam. Ça l'a marqué. Ça l'a marqué beaucoup. Il le fera. Il va le faire dans. Voilà, il y a aussi. Il le fera dans Platoon. Et d'ailleurs, Chimino dit qu'il a travaillé avec Oliver Stone. Il avait travaillé déjà sur un autre scénario avec lui avant, mais qui avait été abandonné. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle il voulait travailler avec lui, il disait parce que lui, il a été faire la guerre du Vietnam. Et pour lui, c'était un élément important pour travailler sur ce scénario. C'est l'élément fondamental de son œuvre. Voilà, donc Chimino le prend vraiment pour cette raison-là. Et ce qui est marrant, ce qui est fou aussi, c'est qu'on a aussi on a aussi le personnage du parrain, parce qu'il y a un nouveau parrain qui arrive dans la... Le jeune. Voilà, qui va gérer les triades. Qui est joué par John Lone. Voilà, et qui est un peu comme Chimino, enfin comme Mikiro, donc comme White, qui est un peu un jeune qui va vouloir un peu foutre le bordel et un peu remettre tout à plat en termes de triade et de relations, notamment avec les... Il y a toute une scène avec les trafiquants de drogue à Hong Kong et en Asie, etc., qui va vouloir tout remettre à plat, et qui les deux vont en fait déclencher le chaos, et vont déclencher une guerre très très violente, et en fait, ils vont... Et qui sera, on va dire... C'est une guerre qui va avoir des conséquences catastrophiques sur les gens qui entourent toutes ces personnes. En fait. Alors qu'au final, c'est une guerre entre deux hommes. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que tu suis ces deux mecs, c'est que tu suis leur trajectoire commune et ce qui amène au clash, quoi. Oui, c'est pour ça que le récit est intéressant. Le méchant n'est pas juste méchant. Non, non, il a un background. Ouais, exactement. Limite, tu le comprends, comprends sa cause, et c'est ça qui est intéressant. Bah, c'est-à-dire que tu aurais pu faire un super film. De son point de vue, en fait. Exactement. Oui, mais ça aurait pu être un très grand film de parrain de la triade. C'est intéressant triades, quand en fait. On dit que c'est la suite de Union en Enfer, parce que t'as exactement. Voyage au bout de l'enfer. Union en Enfer, il n'y a pas de vampire. Parce que t'as exactement le même traitement de l'immersion. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la jungle urbaine, désormais. L'idée de Chimino, c'est vraiment de projeter le spectateur dans,
dans le Chinatown, et c'est vrai qu'on a l'impression d'y être clairement. Les décors sont magnifiques. Donc, tu disais, il avait carrément remis des décors dans un Alors, studio. oui, c'est ce qui s'explique dans les bonus qui sont assez intéressants. C'est une espèce de mini commentaire audio de Chimino qui revient un peu sur la production du film, plus le livret qui est moins intéressant que le livret de Body Double, parce que le livret de Body Double c'était un vrai C'est un bouquin livre. qui avait été édité à l'époque. Là, c'est juste des. Ils reprennent des interviews de Chimino C'est et de des Mickey Rourke, assemblages. c'est un C'est assemblage, des plus assemblages. le scénario original d'Oliver Stone. En anglais. Mais donc, dans ce studio-là, il a remis carrément Et donc tout voilà, il Chinatown? explique qu'effectivement, l'une des choses qu'il avait fait, c'est qu'il disait que c'était ingérable à l'époque de tourner dans Chinatown, qui était beaucoup trop peuplé et beaucoup trop compliqué en termes de logistique pour tourner, ne serait-ce que deux scènes, il aurait fallu s'arrêter quatre fois, quatre heures, quoi. Donc il disait, le mieux c'était de Oui, tout refaire. Donc ils ont tu refais en reconstruit en studio. entier Chinatown et ils ont fait venir les marchands de Chinatown, ils ont fait venir la fanfare, notamment quand il y a l'enterrement au début. Ils ont fait revenir toutes les choses qui faisaient la vraie vie de Chinatown. Et ils racontent dans le Blu-ray, dans les commentaires, que lors d'une projection où il y avait Stanley Kubrick était persuadé qu'il avait vraiment tourné à Chinatown. Stanley Kubrick, qui est un New-Yorkais de naissance, en fait, qui a Pure vécu souche. de pure souche, qui a énormément photographié New York, qui connaît très très bien la ville, et lui-même, selon Chimino, s'est fait prendre et avait du mal à reconnaître quel était le vrai du faux, quoi. Et quand tu arrives à bluffer Kubrick, c'est que tu atteins C'est que quand ça même un va. certain niveau. Ça va, Mais c'était bon. le film est impressionnant. Tout ça, production design, on sent que l'argent y était, quoi. La photo de Thompson, d'Alex Thompson, était assez hallucinante. De toute façon, c'était l'époque où tu parlais de lunettes. Le Dino De Laurentiis avait quand même produit Serpico, donc c'est quand même pas incohérent qu'il produit ça. Je veux dire, oui, parce que bon, Dino De Laurentiis peut produire Barbarella, il peut produire Flash Gordon et le remake de King Kong, mais il produit quand même des films d'une grande intégrité comme Je sais celui-là. pas s'il y a beaucoup de. Et surtout Alors, avec beaucoup de budget, quoi. faudrait De l'argent, revenir un jour sur de la carrière de Laurentiis. Dino De Laurentiis parce que c'est un peu un. C'est un mec qui a connu beaucoup d'échecs, mais en fait, ces échecs sont toujours assez brillants parce qu'en fait, Dans tous les sens du c'est terme. vraiment un des producteurs. C'est vraiment le producteur. Le cliché du producteur classique qu'on imagine et qui n'existe quasiment plus en fait maintenant, parce que maintenant les producteurs comme ça, avec une grosse gueule, ont été remplacés par des actionnaires, ce qui change beaucoup de choses sur la production d'un film. C'est vrai que ce mec, par exemple, Chimino raconte qu'il voulait avoir une superbe, il avait trouvé une super vue de Chinatown et de New York Oui. et tout, et que Dino Laurentiis lui avait dit non, ça coûtera trop d'argent de fabriquer quelque chose pour pouvoir filmer cette vue, etc. Alors que. Chimino dit il disait ce qui était génial avec Dino De Laurentiis, c'est que tu pouvais l'appeler et lui demander d'aller boire un café pour discuter du film, et dans les 2 jours, tu allais boire un café avec lui. Et il disait qu'il l'avait appelé, il a été boire un café avec lui, il lui avait montré les photos qu'il avait prises du point de De vue, la skyline. du panorama, et Dino Laurentiis lui a dit, ok, c'est bon, on le fait, alors que c'était un rajout de milliers et de milliers de dollars. Pour juste pouvoir faire ses plans. Et donc il y avait quand même ce dialogue avec un producteur, et puis un producteur qui était vraiment dépensier et presque Alors, outrancier. du coup, la parenthèse, c'est qu'ils ont créé complètement un appartement Oui, ultra moderne et épuré. si je dis pas de bêtises, oui, je crois qu'ils l'ont créé. Je crois que ça a été créé, Oh ça a bah l'air c'est tout d'avoir propre, été tout créé. nickel. L'appartement, c'est limite un appartement de témoin, tellement il est nickel. Hein. L'appartement de, comment s'appelle l'actrice de Adrienne, qui est La parfait en plus. journaliste. Voilà, et qui est parfait pour accueillir une caméra. Hein, parce que limite, tu sens qu'ils ont limite planifié le truc pour que le stead Bah ça fait très arrive. studio, hein. Panorama Voilà, 380 degrés, attends, les quoi. mecs, ils ont un 300. Ouais, c'est ouais. 380 degrés, ouais, il fait le 360, tour, hein. hein. 360, aucun reflet de lumière c'est sublime. dans les vitres. Enfin, c'est Les juste vitres qui parfait, sont quoi. quand même limite faites pour capter la skyline tout en ayant des démarcations quand Ah, même. C'est quand même ça qui est assez c'est impressionnant. Non, ce niveau production design et photographie, bon, bah, photographie d'Alex Thompson, Excalibur, s'il vous plaît, Ouais, mais d'ailleurs, tu c'est reconnais un dingue. peu le C'est côté dingue. mi-froid, mi-chaud. Il a un côté très froid, sa lumière est assez. Et beaucoup de. Et je trouve qu'il y a toujours un peu une certaine froideur et un truc côté presque métallique. Bah, que tu n'auras plus vraiment dans Alien 3 après, hein, où Oui, c'est c'est que du vrai, chaud oui, après. c'est que du chaud, ouais. Il y a du métallique, mais que du chaud. Oui, voilà, C'est le ouais, métallique brûlant, c'est pas le ouais, c'est ça. métallique En fait, stainless steel, quoi. Il fait tous les états du Bah, métal, le en fait. mec, il sortait quand même de la forteresse noire, quand même, hein, de Michael Mann. Hein, il Ah sortait ouais? de cette photo-là. Hein, c'est lui qui avait fait la photo de son C'est pour ça film. qu'il s'est Bah, lâché, en il y fait. a le côté un peu froid dans le film. Tiens, ça se passe Il en y a hiver, aussi donc. des scènes assez ouf dans le. Parce qu'en fait, on voit un peu tous les coins de Chinatown, et il y a une scène assez hallucinante où il va
dans les sous-sols de Chinatown, où il va dans les... Fumée. Ouais, il y a de la fumée, il Ah, découvre ça, tu m'étonnes. notamment un cadavre dans l'eau, etc. Enfin, c'est... En fait, t'as vraiment l'impression d'avoir une scène de théâtre grandiose, quoi. Et c'est vrai que c'est le genre de film, un peu des films somme, quoi, que tu as plus maintenant. Je veux dire, moi, je réfléchissais, je dis, qui pourrait vouloir reconstruire Chinatown, dire je vais prendre autant de figurants, etc. Il n'y a qu'un mec en ce moment qui pourrait faire ça, c'est Christopher Nolan, Ouais, quoi. c'est ce que Et je c'est le pensais. Ouais. seul Ouais, mec. D'ailleurs, et c'est ce qu'il a encore, l'air de faire avec Dunkerque, où attends. il va refabriquer Dunkerque en entier Là, c'est qu'un pour faire un polar. film. C'est Et qu'un c'est qu'un polar, polar. effectivement. Le mec, Ouais. il te passe une scène qui a rien à voir du film. Il va en Asie et il te montre 3000 figurants. Ouais, c'est qu'un C'est polar, quoi. ça. Et dans tout Chinatown, c'est trop foisonnant. T'as du monde partout. Dans le commissariat, t'as du monde partout. Ça n'arrête pas. Tu vis vraiment là-bas, Ouais, quand mais tu vois le film. Chimino est un peu ce réalisateur-là. Il fait Le Canardeur en premier, qui est un film plus léger et plus simple. Bon, quand même avec Clint Eastwood et tout. Hein. Oui. Mais il fait, après, Voyage au bout de l'enfer et La Porte du Paradis sont des films. C'est quasiment des films de. Enfin, c'est des industries qui se déplacent, C'est quoi. Enfin, c'est des pays. ginormous, T'as quoi. l'impression C'est qu'il a créé ginormous. des pays entiers avec des gens, des hiérarchies, des industries. Enfin, c'est un démiurge, c'est un dieu vivant. Ah oui, Enfin, c'est un il se démiurge, prend oui. pour un dieu, et je pense Ouais. que Chimino a. Et d'ailleurs, après ça, il s'est un peu calmé. D'ailleurs, ce qui est intéressant, Desperados, c'est un huis C'est un huis clos. clos. Et tu vois bien qu'il est un tout petit D'accord. peu enfermé. D'ailleurs, la meilleure scène de Desperados, c'est une scène où un des seconds rôles se barre, s'échappe et se fait attaquer par des flics dans un espace extérieur. Cœur, oui, Voilà. l'espèce, oui, tout à fait. Et Ouais. tu dis, ah, ça, c'est En quand même, grande tu étendue, sens que là. quand même, il aime bien les grandes étendues et que là, il est un peu bloqué, quoi. Ah bah c'est un mec qu'il Et faut voilà. pas réfréner, quoi. Hein, C'est attention. clair. Dans ce qui est fascinant pour l'anecdote, c'est que le film s'est planté. De Laurentiis a demandé à Michael Mann, donc, qui était en train de tourner son adaptation de Dragon Rouge, il lui a dit « Tu appelles surtout pas ce film Dragon Rouge, je veux plus de film avec le titre Dragon dedans. » Donc ils ont appelé ça Manhunter parce que l'année du dragon s'était plantée. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. Parfois, il y a des trucs très cons. Mais c'est vrai que, bon, alors le film, tu vois très bien aussi le côté époque et l'envie, et c'est peut-être la seule critique dans le film, mais en même temps, ça reste intéressant, c'est que c'est un film qui se prend limite pour un anthropologue, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des séquences où on t'explique c'est Ah quoi oui, la triade. c'est C'est-à-dire qu'il y a ça. vraiment des dialogues, c'est des dialogues somme où tu sens qu'ils ont fait des recherches et qu'il faut te balancer le truc. T'as Parce qu'à Mickey Rourke qui l'époque, on ne parle, il savait dit, pas. mais vous savez que Voilà, la vie, voilà, mais c'est c'est exactement exactement ça la ça. société. Maintenant, ça serait juste indigeste. C'est juste que c'est vrai que là tu sens que là C'est de l'exposition en puissance et c'est plus possible. c'est un discours anthropologue destiné aux spectateurs pour leur expliquer. Vous savez quoi, vous qui kiffez le parrain, qui adorez ces films de mafieux, qui connaissez ce que c'est la mafia, etc. Et ben vous vous rendez pas compte qu'en fait pourquoi on parle de la triade? Parce que la triade est le système de gangsters le plus vieux et le plus traditionnel Ouais, mais de tous les temps, puisque c'est censé être la plus ancienne mafia qui nous on prend existe. ça pour acquis aujourd'hui parce que bon, quand t'as été nourri au polar HK et tout ça, tu sais ce que c'est, tu sais comment ça fonctionne. Mais t'imagines un spectateur des années 80 qui a bouffé du film de Yakuza, Qui a pas qui a, internet qui, à voilà, qui a l'époque. pas, voilà, qui a vu le film Yakuza de Sidney Pollack, donc qui sait ce que c'est les Yakuza. Mais que t'arrives dans le contexte chinois et on t'explique les triades qui est un truc encore plus exotique à Oui, l'époque et qui pour est eux. très secret Et qui est aussi. très secret et qui est limite, qui tient presque du mythe, quoi. Et les gens, il faut leur expliquer ce que c'est, quoi. D'où l'importance de cette scène qui m'avait marqué quand j'étais ado, quand j'ai découvert le film, de quand ils découvrent les corps en dessous de Dans l'immeuble. le oui, là, bien sûr. C'est juste. Je me suis dit, mais oui, en fait, tout leur réseau est complètement souterrain, C'est en ça. fait. Et il y a pas de show, en fait, chez les Chinois. Ils sont pas là pour se mettre en avant, etc. Et du coup, Mais ça m'avait même, vraiment. c'est ce qui est C'est intéressant d'ailleurs, flippant, c'est que, limite. et c'est encore le cas par exemple, il n'y a pas eu beaucoup de films sur les triades ensuite, après, aux États-Unis, c'est un peu le grand film sur les triades aux États-Unis, je trouve, qui a été fait, à moins que, enfin, je ne sais pas si on peut en Ouais. citer un autre. Bah après, il y a tellement de films de triade dans le pays concerné en question, Oui, à Hong mais pas. Kong. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la triade, ça s'exporte. Ce que je voulais dire, c'est que même en France, on sait que là, la mafia chinoise existe, et en fait, c'est un truc qui est très. Que pas mal de gens connaissent, etc., mais qui est très secret Mais oui, et c'est dont ça. personne ne parle. Et Mais tu pourrais faire un très grand film sur la mafia chinoise en France et sur comment, en souterrain, non, mais je te jure, elle a des. comment ils te vendent des nouilles dans le 13e, Voilà, oui, voilà. je voulais pas dire ça exactement comme ça, mais oui, c'est à peu près ça en fait. Comment elle a la moitié des boutiques du 13e travaillent, enfin connaissent au minimum un peu des gens de la mafia chinoise. Et c'est fou comment c'est quelque chose de très secret qu'on évite de parler. Oui, on en parle quand on va voir les films HK,
Mais aux États-Unis, il y a l'année de dragon. En France, il n'y a rien. Voilà, et c'est intéressant. C'est si, intéressant si, parce si, que il y avait un film là, qui était tourné dans le 13e. Ah oui, avaient, oui, non, ils, ils avaient fait passer ça pour Hong Kong. Et je crois que c'était Mon curé chez Thaïlandaise ou un truc comme ça. Mon quoi? Mon curé chez Thaïlandaise. Mon curé enfin, chez je, Thaïlandaise. Je sais pas ce que c'est. Je crois qu'il y avait un film comme ça qui était tourné dans le 13e. Ils avaient fait passer ça pour Hong Kong avec ses magnifiques bâtiments. Non, mais aussi, il faut savoir un truc, c'est qu'il y avait quand même, j'ai l'impression, une réticence. Du public américain à l'époque pour ce qui venait de la Chine aussi, à part pour les arts martiaux, mais à l'époque vraiment. Oui, en termes de politique déjà. Le Japon, c'était fun parce qu'il y avait l'aspect technologique, il y avait l'aspect société un peu du futur que tu vois dans Black Rain, que tu vois dans Die Hard et tout ça. Même le côté Yakuza, c'est un peu plus romantique. C'est, voilà, oui, il y avait, il y avait un peu la parade du Yakuza, mais c'est vrai que quand tu vois ce film-là qui s'est planté et quand tu vois un film complètement différent comme de Jack Burton, de Carpenter, qui est une autre facette de la Chine, mais il y a cette idée. Qu'on pénètre plus légende. Voilà, oui, voilà, mais on pénètre quand même dans l'univers chinois. Il y a un côté limite aliénant que les spectateurs refusent d'emblée, quoi. Les spectateurs américains ne veulent pas pénétrer là-dedans, quoi. Non, non, les Chinois, c'est bien pour les petits gâteaux autour avec les trucs, mais ils ont leur quartier, c'est voilà, c'est voilà, pas c'est cloisonné. C'est parce que aussi bien Jack Burton que ce film-là, une sorte de film complètement différent, mais il y a cette idée qu'on va pénétrer dans une micro-société. Implanté aux États-Unis, qui a ses codes, qui a ses règles, qui a ses commerçants, qui a son mode de vie, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce encore de. Qu'il y avait un refus à l'époque. Oui, mais c'est la ville dans la ville. La ville, voilà. C'est ce qu'il évoque et qui est très intéressant et que dans l'histoire, c'est donc qu'il raconte que qu'en fait, les immigrés chinois sont parmi les premiers immigrés américains et qui ont participé notamment à la construction des chemins de fer et que beaucoup sont morts durant la traversée. Et il dit, ça c'est vrai. Qu'apparemment, les immigrés chinois avaient un statut à part qui fait qu'ils pouvaient même pas se naturaliser pendant très longtemps. Ils n'ont pas pu devenir américains parce qu'ils étaient considérés comme à part. Oui, et puis ils n'étaient pas dans les livres d'histoire non plus. Oui, dans les livres d'histoire. Non, mais c'est important parce que là, c'est ce qu'il raconte dans le film. On le voit maintenant, le film, on se dit, mais oui, on le sait, mec, on est au courant, mais dans les années 80, pareil, il y a 30 ans, on n'était pas au courant de tout ça. Donc là, maintenant, on sait que c'est les Chinois qui étaient amenés en masse pour faire les mines. Enfin, les mines, les chemins de fer. C'est dans quel film où il y avait eu. Quel film récent où il parlait de ça? Il y a un film récent là qui est sorti où il parlait d'un mec qui arrivait aux USA pour bosser dans les chemins de fer. Ouais. Je ne sais pas. Non, je. Jackie Chan sur les chemins de fer. Jackie Chan, la locomotive foufou. Le mécano de la générale. Donne des tatanes. C'est un truc. Non, mais il y a un film. Bon, ça me reviendra un jour. Oui, non, mais effectivement. Chinois s'enchaîne. Même en France. Ah oui, c'est bien. Non, mais c'est vrai que même en France, dans les westerns, tu sais, le chinois, on a la caricature de Lucky Luke, quoi. Tu sais, oui, c'est toujours le mec qui vend de l'opium ou qui. C'est ça, ouais. C'est ça. Ou dans le textile. Ou dans le textile. C'est le teinturier. Ouais. Ouais, c'est le teinturier. Non, mais c'est, effectivement. Non, mais c'est intéressant. C'est quand même facho les westerns. Ah, mais c'est vrai que c'est assez. Mais non. Non, mais c'est. Et pourtant, c'est un western. Hein. Le film aussi, L'année du dragon, fait quand même explicitement référence au western. Ouais, après, tous les polars maintenant sont des westerns. Oui, mais Chimino est quand même un petit peu. On sentait bien que le western, c'est quelque chose qui le travaillait énormément. Et la fin, notamment, le duel de fin, c'est un duel de. C'est un duel de western. Mais quoi, parce que les deux mecs. Quelque chose de très chevaleresque. N'ont rien à voir dans leur époque. Tu vois. Le Mickey Rourke. Stanley White, là, il c'est un sang-bouillant, tu vois. C'est pas un héros que t'as l'habitude de voir. C'est un mec que tu vois. C'est un John Wayne, tu vois. C'est le mec qu'il faut pas chercher. Il a fait la guerre, le gars, donc il peut pas vivre dans la ville comme ça et ne pas tout foutre en l'air, c'est pas normal. C'est pour ça qu'il a un côté autodestructeur extrêmement intéressant et ça va avec le personnage de Mickey Rourke plus tard. Donc tu sens que Mickey Rourke, malgré qu'il soit dans un moule hollywoodien qu'il va chasser plus tard, il est quand même lui-même. C'est un écorché vif, le mec. Exactement. Oui, c'est intéressant, c'est vrai que c'est un des grands films de Mickey Rourke. Il y a Mickey Rourke, maintenant on a une espèce de caricature du Mickey Rourke de maintenant, de Sin City et de tout ça. Tout oui, ça. Le retoucher, etc. Voilà, Mickey Rourke, ça a été un très grand acteur de ces années-là et qui, effectivement, parmi ses grandes réussites, c'est L'année du dragon, c'est Angel Heart, c'est ce genre de film, quoi. Où il était effectivement assez. Barfly. Et oui, et il avait quand même une. Il était très impressionnant et très charismatique. D'ailleurs, c'est horrible parce que quand tu vois le film, tu te tends à imaginer qu'est-ce qu'aurait pu être sa carrière si ça avait continué comme ça. Tu te dis, il aurait pu. Je sais pas, ça aurait été du Michael Douglas, quoi. Ça aurait été vraiment la même chose. Je sais pas parce que Michael Douglas n'a pas eu d'aussi grand rôle que lui. En attendant, ça a été Double Team.
Oui, ça c'est après. Ah, ça c'est après. Après. C'est après. C'est le demi-revival, là. Ouais, on va dire ça. Mais c'était au moment où on l'a redécouvert avec ce nouveau visage de Bulletin. Ouais, c'est ce moment-là où l'après-boxeur, c'est après le... En fait, pendant qu'il avait fait de la boxe, il s'est fait défoncer le visage. Défoncer, du coup, il a fait beaucoup de chirurgie et il a été un peu addict à la chirurgie parce que jamais ça l'a convaincu. Bah, c'est ça. 6 fois le nez, je crois. Ouais, ou 5, ouais. Enfin, bref, même la joue et tout, il est... on lui a pété les os. Enfin, c'est. Ouais, les pommettes. Alors, quand tu le vois dans ce. Mais il avait des pertes de mémoire aussi. Ouais, il est sublime, et il était entraîné par un ancien Hells Angels. Non, mais qui l'entraînait à la boxe quand même. Non, alors, quand tu le vois, ouais. Quand tu vois dans ces films de l'époque, là, Angel Hart, il est beau, quoi, il est magnifique. Ah, ce il, mec. Il bon, en plus de puer le charisme, tu dis, mais putain, c'est une gueule d'ange le mec. Ouais, et tu ouais, dis, mais je pense qu'il avait envie de fracasser. Une gueule d'ange, mais c'est vrai que comme le disait Romain en revoyant l'année du dragon, il a quand même des mains de, mains de boxeur. On sent que le mec, il tape oui, un peu la boxe en amateur déjà. C'était des patounes. C'était un boxeur clandestin avant. C'est des patounes le mec. Il était déjà boxeur avant, il avait toujours voulu le faire. Non, c'est vrai que c'est un. Mais Alan Parker, Cimino a apparemment une très bonne relation avec lui parce qu'il le reprend dans After Hours où, où il est. Détesté. Oui. Par contre, ouais, Alan Parker l'a détesté à mort et a dit plus jamais, ce type est ingérable. Oui, non, mais alors. Il y a eu beaucoup de choses. Il l'a redit dans les années 2000, Mickey Rourke, c'est qu'avant on lui disait qu'il était génial, vachement beau. Enfin, il avait le melon. Clairement. Ah, bah oui, bah, c'était la star, là, sur le coup. Et. Quand il arrive sur Angel Heart, tout repose sur l'acteur, au niveau du financement du film, avec Robert De Niro aussi, mais qui n'est pas extrêmement présent. Non, tout repose sur Mickey Rourke, c'est lui le rôle principal. Voilà. Du coup, clairement, il fait ce qu'il veut et il fait le con, quoi. Ben, il n'est pas au courant que c'est quand même Alan Parker qui est la mise en scène. Enfin, je sais pas ouais, non. Non, mais Mickey Rourke, moi, c'est un mec qui fait plus penser, tu vois, à Jack Nicholson, c'est un type comme ça. Mais tu vas me dire, quand tu vois comment a terminé Jack Nicholson physiquement aussi, il y a... Bon, c'est non, je suis pas Jack Nicholson. Bah, je trouvais le même charisme, surtout quand il joue dans ses rôles de film noir comme ça, un truc proche de Chinatown ou de trucs comme ça. Ouais, je vois un carreur comme ça. Jack Nicholson est plus autodestructeur. Classicisme en fait. J'ai pas l'impression. Il y a quand même quelque chose de pareil de fou. Ouais. Un peu fou, mais pas. Et d'ailleurs, violent. Il a joué avec lui dans The Pledge, je crois. Oui. Oui, de Sean Penn. Ouais, exactement. C'est vrai. Donc bon, bref. En tout cas, voilà. Non, bah voilà, c'est ouais, le voilà, téléphone c'est qui dit qu'il faut... Bon, bah en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, jeter un coup d'œil à Mickey Rourke. À Mickey Rourke, non, je n'étais pas... L'appel du dragon. Voilà, donc à l'année du dragon. Très grand film, en tout cas l'édition est assez exceptionnelle. Moi, j'ai redécouvert le film avec ce master très, qui était très vraiment sortie, très très bon. Desperate Hours, c'est un tout petit... C'est un peu plus anecdotique, mais si vous êtes fan un petit peu de Cimino, voilà. Et puis nous, on reviendra... C'est pour les complétistes, ça. Voilà, on reviendra sur Cimino, qui est un réalisateur intéressant, qui hélas ne fait plus rien depuis très longtemps. Il a... fait un bouquin dans les années 2000, je crois en 2001, il avait écrit un livre, un roman, et c'est un peu la dernière chose qu'il avait faite en fait. Depuis, on le voit seulement dans quelques interviews. C'est aussi comme Mickey Rourke, un type assez secret et qui s'est un peu physiquement qui est un peu bizarre, physiquement qui a très bas, ouais, lui aussi, on sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, donc juste rien que parce que c'est un polar qu'on fait, enfin, on en fait plus des polars comme ça. Après, il y a eu les thrillers qui ont complètement mangé c'est les vrai, polars, c'est vrai. Les Seven et compagnie. Mais avant, dans les années 80, il y avait quand même des polars qui étaient dingues. Vous regardez encore Black Rain, c'est dingue. Il y a une énergie dans ces films. Police fédérale Los Angeles, surtout. Ouais, c'est bah voilà, c'est exactement. Police. Alors, ce film-là aussi, c'est pareil. Voilà, vous avez quelque chose de violent, brut, qui vous prend, quoi. Voilà, et c'est comme ça que ça doit être le cinéma. C'est un cinéma brut. Ça doit pas être fait avec des simagrées et des consensus. Non, c'est on y va et on monte les choses. Violente ou pas. Enfin, voilà. Ok, très bien. Et ben, on se retrouve dans une nouvelle émission de L'œil dans le rétro. N'hésitez pas à nous noter sur iTunes, parce que ça y est, on est arrivé sur iTunes, et puis de nous noter. Et puis, sinon, on se retrouve sur YouTube. Abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Allez, à bientôt. Au revoir. Bien ciao. Your move, creep.